Salut les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va faire comme d'habitude l'analyse des indices, un petit peu de macro, et on va enchaîner sur quelques analyses de titres. Ce qui m'intéresse le plus actuellement, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, c'est le changement de narratif. Alors changement de narratif, si vous voulez, c'est pas du jour au lendemain, c'est comme un paquebot, il faut du temps. Et donc ce qui est important de voir là, c'est que on a eu toutes les aides d'État. Du Covid, ce qui a permis d'énormes. Euh, enfin, le Covid a permis d'avoir énormément d'épargne de côté, puis vous avez eu les aides des États, etc. Ce qui a permis, si vous voulez, de, de tendre l'élastique jusqu'au bout euh, au, au niveau des dépenses du consommateur. Le consommateur a donc été dans cette capacité de résilience. Il a été dans cette capacité de payer la hausse des prix des entreprises sans, euh, et tout le monde a eu du pricing power puisqu'il n'y avait pas de choix, il y avait cet effet richesse. À partir du moment où on commence à réduire cet effet richesse, où les aides commencent à être enlevées, où euh, l'épargne commence à être usée, on commence à utiliser euh, les crédits au maximum, les cartes de crédit au maximum, mais les taux là aussi sont en forte hausse et on arrive très rapidement à un moment de blocage. Tout ce qu'on avait gelé pour les pré-étudiants, etc., euh, va devoir être euh, repayé euh, à partir euh, d'octobre. Donc, euh, on s'était dit, oh là là, euh, ça va finir par faire la récession. Et puis, on a prolongé le jeu. On a prolongé le jeu, pourquoi Parce que la hausse euh, des prix a permis aux salariés d'augmenter euh, leur salaire. Donc on a eu des hausses de salaire en plus, si vous voulez, qui sont venues donner un pouvoir d'achat supplémentaire. Or, ce que l'on commence euh, à constater maintenant, c'est que l'emploi est, est, est toujours très robuste, et je pense que ça va prendre encore de nombreux mois, mais ça y est, on commence à avoir de moins en moins de, de postes vacants. Enfin, ça commence à se réduire. Donc, ce n'est pas demain la veille, quelque part. Mais si vous voulez, si vous commencez à avoir moins de postes vacants, les entreprises ne sont plus à même à payer un surplus, un premium de prix sur leur salaire pour pouvoir recruter. Donc, à partir de ce moment-là, ce premium de salaire ne se transforme pas en pouvoir d'achat supplémentaire pour le consommateur. Et petit à petit, donc c'est là où le dernier échiquier, qui est, qui est euh, le chômage, l'emploi, commence un petit peu à tirer la langue. Mais c'est le dernier truc qui tire la langue. ok Donc c'est là aussi où il faut comprendre que le premier truc qui commence à tirer la langue, maintenant, ça va être les commandes. Les commandes à l'industrie. Puis après, les entreprises ont commencé, et ça c'est déjà le cas, à nous dire que bah, pour l'évolution des chiffres d'affaires, ça va être de plus en plus compliqué. Certes, parce qu'on a augmenté les prix, on a été capable de compenser au niveau des profits grâce euh, à l'augmentation euh, des marges. Mais si mon consommateur bah, commence à ne plus pouvoir renégocier des hausses de salaire, commence euh, à ne euh, ne plus pouvoir changer de boulot pour avoir une hausse de, de salaire, justement parce qu'il est mieux payé dans un autre secteur d'activité qui manque de main-d'œuvre. Parce que le marché de l'emploi commence un petit peu à, à s'étriquer, que euh, les taux restent très élevés, etc. Ben ça y est, on va commencer à impacter le consommateur. Plus rapidement, je dirais, le consommateur américain, et c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans tous les chiffres euh, du luxe, hein, que ce soit les ventes de montres, les ventes de sacs à main et tout ça, on voit que le luxe, surtout aux États-Unis, est en train de se réduire. Pourquoi ben Parce que le consommateur américain est beaucoup plus cigale que fourmi l'européen alors que l'européen et le chinois par exemple ils ont encore énormément de ressources la problématique qu'ils ont euh, en chine c'est qu'ils ont peur de l'avenir et qu'ils ont une grosse bulle immobilière et qu'on ne sait pas trop comment ça va se résoudre mais qu'en gros ça handicape leur confiance et que le, le, le tapis d'argent si vous voulez sur lequel ils sont assis pour l'instant ils le conservent sans surconsommer euh, en attendant de voir la, la suite des choses. Mais si le gouvernement chinois arrive à sauver l'affaire, à refaire revenir la confiance, c'est ce qu'ils essayent, hein, par un certain nombre de stimulus, etc., et ils essayent de pousser les gens à investir cet argent également dans les marchés boursiers, pour soutenir le marché boursier, etc. On a, euh, on a éventuellement une reprise qui se fera dans le temps euh, de la Chine. Euh, pour moi c'est ça, ce sont ces éléments-là que, que, que je regarde et qui sont les plus importants pour moi. Et donc petit à petit ça va commencer à, à, commencer à changer le narratif où on va reparler récession. Euh, mais voilà, il faut que ça se fasse au fur et à mesure. C'est bien ça qui est important. Ce que l'on voit, c'est que vous avez énormément de secteurs qui sont liés donc à ce consommateur, donc que ce soit l'immobilier, que ce soit également la vente de voitures, qui avaient eu un rebond et qui étaient redevenus résilients ces derniers mois, qui recommencent à tirer la tronche. Pourquoi Parce que c'est les premiers trucs qui vont souffrir quand le consommateur se remet à tirer la langue et que maintenant, on a un petit peu usé toutes les cartouches. On a usé euh, toutes les aides gouvernementales, on a usé le surplus d'épargne sur lequel on était, je parle surtout pour les Américains, et on a user les augmentations de salaire qui avaient permis ces derniers mois de compenser si vous voulez euh, et de faire et de prolonger un petit peu la résilience du consommateur. Donc à partir de ce moment là, euh, on, commence, on commence un petit peu plus à attaquer euh, ce qui est euh, le consommateur un petit peu plus au, au, au porte-monnaie. Mais pour autant, voilà, il ne faut pas non plus mettre la chérie avant les bœufs, donc il faut encore patienter. Et ce que je regarde notamment sur le design américain avant que je me dise que le narratif commence vraiment à devenir récession, même si on voit sur beaucoup de secteurs d'activité, on est déjà en train d'anticiper. Les seul trucs qui résistent bien, c'est les grosses pondérations, si vous voulez. Donc les indices résistent bien. Mais si vous regardez un petit peu le reste, on commence déjà à avoir ces impacts-là. Hein. Donc le marché commence déjà à anticiper ce genre de scénario. Mais ce qui résiste bien, bah, c'est tout simplement les, les, les grosses pondérations des titres qui ont toujours énormément de flux de la part des gros investisseurs, des hedge funds qui sont gavés des mêmes actions, tout le monde a les mêmes actions, gavés dans les portefeuilles, et en plus les trackers, les ETF continuent à attirer énormément de flux, et ils sont bêtes et méchants, et ils achètent. Au, dans l'ordre de pondération euh, des indices. Donc euh, à ce stade-là, si vous voulez, vous avez l'illusion des indices qui marchent à plein, c'est surtout vrai pour, pour le Nasdaq, etc., le SP, euh, puisque vous avez une dizaine de valeurs qui continuent à bien faire fonctionner, à attirer tous les flux, à être concentrés au, au, au gavage et qui, qui tiennent les indices de cette manière-là. Ça n'empêche pas que euh, le marché, ensuite sur des plus petits titres, est quand même intéressant. Il y a quand même des configurations que je trouve pas du tout dégueulasses mais on voit que le marché fait quand même un tri sélectif. Et puis, dès qu'il y a une déception, euh, le marché, il applique tarif de groupe, hein, c'est moins 20, moins 30%, il n'y a, a pas de quartier. Euh, et ce que l'on constate, c'est que euh, ces titres-là, une fois qu'ils ont déçu, ont beaucoup plus de mal à, à récupérer. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc c'est ça qui m'intéresse, en gros. Sur le disant américain, c'est le changement de narratif, ça va se faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on entrevoit la dégradation. Le marché va décider de payer ses mauvaises nouvelles. Parce qu'il va se dire, mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. Ça veut dire que ma Fed va arrêter de monter ses taux et qu'ils vont même les baisser plutôt que ce qu'ils disent. Or, moi, je ne pense pas que euh, la Fed, euh, clairement, va changer le discours. Ils vont rester sur un discours dur parce qu'ils sont dans un biais de confirmation. Et il euh, y a fort à parier, si vous voulez, que les taux, même s'ils ne montent pas beaucoup plus, euh, vont rester à ces niveaux-là pendant de nombreux mois. Le pendant ces nombreux mois, le marché, le narratif va changer. Dans le monde, OK, l'économie est en train de plus en plus de se dégrader. Et en plus, ma Fed ne fait rien. Donc d'un côté, si vous voulez, j'ai une inflation qui va être plus ou moins persistante ces, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ce dont on s'était parlé, parce que mes prix de l'énergie commencent à remonter, bah, il faut remplir les cuves, c'est toujours la guerre en Ukraine, il euh, y a l'hiver qui arrive, il euh, y a toujours un, 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 moins de demandes, moins d'offres. De, moins si vous voulez, donc on met la pression là-dessus. Il y a les élections américaines l'année prochaine, donc on va continuer les BRICS. On voit, on, on joue le jeu jusqu'au bout. Euh et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est que même si vous avez une récession et qu'on se dit oui il y aura moins de consommation de pétrole, je vous ai toujours dit c'est pouillemesque mesque hein, par rapport au, au déficit d'offres que nous avons. Et en plus, avec les briques qui continuent à mettre la pression en, en baissant, en baissant l'offre alors que la demande n'a pas vraiment baissé non plus. Donc il ne faut pas omettre ces, ce petit jeu là que l'on a sur les prix de l'énergie qui peuvent permettre de faire stagner un petit peu l'inflation pendant un laps de temps puisque... Dans plusieurs mois, si on commence vraiment à avoir le ralentissement économique, euh, les services vont être impactés et c'est le dernier maillon, je dirais, avec les loyers euh, qui euh, permettent à, à l'inflation, si vous voulez, de, de rester euh, encore à, à des niveaux, on va dire, stables qui remontent un petit peu légèrement dans certains pays. Mais ça serait les derniers maillons qui, qui empêchent pour, de ensuite rebaisser. Donc je pense qu'on reste dans une tendance longue de baisse de l'inflation. C'est juste que comme je vous l'avais dit, il faut s'attendre peut-être à quelques semaines, quelques mois où on a une stagnation ou du petit rebond euh, en, a, en attendant que ça, commence à attaquer, euh, que ça commence à attaquer, les services. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, on a bien compris si vous voulez qu'on est dans une projection et un changement de narratif qui peut durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois et à côté de ça, on a des flux. Et tant que ces flux ne sont pas taris, euh, ils continuent de se déverser et de supporter les gros titres. Et les gros titres, c'est les indices. Et tant, les in et tant que les indices tiennent, si vous voulez, euh, la plupart des gens regardent les indices et ne se posent pas plus de questions que ça. Mais quand on va regarder dans le détail des secteurs d'activité, de on voit quand même qu'on fragilise de plus en plus pas mal de choses. Mais à ce stade-là, voilà, le changement de narratif, c'est une idée, euh, c'est une hypothèse, c'est un truc qui va se faire au fur et à mesure mais nous n'y sommes pas encore. Et je regarde notamment le disant américain, et le disant américain, pour moi, a besoin de dépasser la zone des 96 à 98 pour qu'on se remette en mode, oh mon dieu, ralentissement économique, récession et compagnie, et qu'on se redise qu'on va casser par le haut, et jouer un rebond intermédiaire, c'est-à-dire une baisse des taux longs intermédiaires, mais pour moi, on reste dans une tendance de remonter des taux long terme. Euh, on reste encore dans cette tendance-là. Donc il faudra bien comprendre que même si on vient en effet à partir dans un mode où le prix des obligations augmentent, donc les taux baissent, les taux long terme, je ne parle pas des taux courts de la Fed, euh, il faudra bien prendre en considération que c'est une sous-vague et qu'on ne peut pas encore en projeter sur, se projeter sur déflation et retour dans un monde euh, sans croissance, sans inflation, comme on a connu ces dix dernières années. Ce sera encore un petit peu trop tôt. Donc il va falloir procéder par étapes. Je passe à la suite, donc on arrive sur notre pétrole, et notre pétrole, il est en train d'essayer de sortir la tête par le haut. Donc là, ça va être de deux choses l'une, si vous voulez. Si on arrive à sortir la tête par le haut, bon, très bien, c'est très positif pour les valeurs pétrolières, etc. Rien, rien de neuf par rapport à ce qu'on s'était dit sur ce niveau-là, où tout le monde jouait euh, la baisse euh, et le fait que c'était la fin des haricots, etc. Mais maintenant, nous sommes ici, et euh, tout le monde nous explique pourquoi le pétrole va continuer de monter. Donc, ce qui nous intéresse maintenant à ce niveau-là, c'est ok, on peut continuer de monter, mais jusqu'où Et on voit qu'on n'a pas vraiment d'exponentiel qui se met en place tant qu'on va tenir la zone des 95-96. Donc, ce qui va nous intéresser en gros, c'est ce zigzag qui est entre cette zone des 80 à 95 dollars, mais qui va suffire si vous voulez pour relancer un petit peu ben, ces craintes que l'inflation va être persistante. On re-rentre dans l'hiver, donc on va se reposer des questions sur les stocks, etc. Donc ça peut mettre quelques petites tensions. Il y a eu des grèves en Australie, ça a remis des petites tensions sur le gaz européen, etc. etc. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est OK, l'inflation. Mais tout dollar que le pétrole prend et qui nous fait craindre que sur l'inflation, ça doit surtout nous faire penser que ça va attaquer le consommateur encore plus et donc le pousser à réduire sa consommation d'autres produits. Maintenant, on est assez inégaux, parce que comme je vous ai dit, le consommateur américain, il a été cigale, mais le consommateur européen, il est très fourmi, surtout les Français, ils sont assis encore sur un taux d'épargne qui est important. Donc c'est là où c'est très difficile, si vous voulez, de vous dire, ralentissement économique, oui, mais on a un consommateur qui est encore très résilient. Et c'est là où il faut rentrer un petit peu dans le détail, c'est qu'on se dit... Le consommateur européen est assis sur énormément d'épargne, c'est vrai, mais en proportion du nombre de la population, si vous voulez, en fait, vous avez la grande majorité. Si on applique Pareto, vous avez 80% en fait des encours qui appartiennent à 20%. Et la réalité est sans doute beaucoup moins. Euh, mais donc il faut bien comprendre, si vous voulez, que la majorité du consommateur américain et du consommateur européen, lapsus est dans la situation plutôt du consommateur américain, c'est-à-dire serra la casquette et on a terminé, si vous voulez, d'avoir les augmentations de, de salaire, et donc maintenant il n'y a, y a, y a plus trop de choses. L'épargne, elle, elle est surtout acquise par une minorité de gens. Et ce n'est pas, pas forcément les consommateurs premiers. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. C'est comme quand vous regardez les stats sur le livret A, si vous voulez, vous allez voir que euh, quasiment tout le monde a un livret A. Que si vous regardez l'encours du livret A c'est gigantesque et donc vous vous dites les mecs font n'importe quoi et ils ont tout leur argent sur du livret A. Mais en fait si vous regardez vraiment la majorité des livrets A ils ont je sais pas 2000 ou 3000 euros donc des, des encours assez faibles et c'est une poignée finalement de PEA qui sont qui sont maxés euh, donc c'est on est exactement dans les mêmes dispositions donc c'est là si vous voulez toute la difficulté quand on parle du consommateur on généralise et on a des statistiques, vous allez toujours voir des statistiques à droite et à gauche qui vont, qui, qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux. La question que vous devez vous poser toujours c'est, ok, la statistique qu'on me donne, euh, est-ce que j'ai pas un ratio à faire là-dessus Quand on me dit que les Français sont assis sur un taux d'épargne à euh, 14 ou 16%, Ok, mais quelle part de, quelle part de Français est assise sur euh, un taux d'épargne qui est à 20-30% pour que ma moyenne ensuite soit à, à 16 Et puis quelle part de Français sont à euh, 2-3%, c'est-à-dire ils n'ont ils ont plus, plus de cash et quelle part est en train de consommer, de consommer mes produits de base Quelle part est en train de consommer mes produits de luxe Et ainsi de suite. Donc c'est ça le travail, euh, le travail et l'idée qu'il faut se faire un petit peu. Mais toujours est-il, comme je vous ai dit, c'est un paquebot. Tout ça, c'est en train d'avancer lentement, mais c'est le changement de narratif que moi j'aurai en, en hypothèse de travail pour cette fin d'année. Et c'est ce qui nous permettra de jouer 2024 ensuite. Mais on aura l'occasion. Dans « reparler », au niveau de notre CAC 40, donc, c'est toujours aussi, c'est toujours positif, on est toujours dans la figure, et on se cherche, on voit, on bouge pas trop, c'est un petit peu mou, c'est un petit peu lent, on a euh, euh, les valeurs comme total qui réussissent à bien performer, donc ça supporte le CAC 40, mais des valeurs comme le luxe qui nous font un coup oui, un coup non, on, on voit qu'on a un petit peu plus de mal, donc euh, c'est au gré, si vous voulez, des stimulus qui sont annoncés par la Chine. Mais euh, voilà, c'est un petit peu plus flat. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc pour l'instant, tant qu'on ne va pas casser les 7004, on ne va pas s'ouvrir la voie des 7500 à 7006. Et tant que euh, on ne passe pas en dessous à minima des 7250, on ne revoit pas la zone des 7150-7100. Et tant qu'on ne casse pas cette zone des 7100-7150, on ne joue pas la zone des 7000 à 6950 qui est l'autre niveau de support. Et si on revient dans cette zone-là, là, là on, commence, on commencera à se dire que. Euh, ça, ça, on est entré dans une zone de correction. Mais rentrer dans une zone de correction ne veut pas dire tendance baissière, retournement à la baisse, etc. Vous voyez que euh, on vient quand même de 5600 points, et donc euh, à, à moins de revenir en dessous des 6600 points, euh, on ne peut parler que de retracement d'une partie de la hausse à ce stade-là. Quelque chose qui serait, ma foi, sain, qui serait correctif, et des corrections, dans un marché boursier, haussier, hein, vous en avez tout le temps. Donc ça, ça ferait partie du jeu, quelque part, et je pense pas qu'il faudrait, qu'il faudrait, en, tout de suite, en conclure que c'est la fin des haricots. Ça serait beaucoup trop tôt. Et de la même manière que quand on parle économie, ralentissement économique, etc., ok, très bien, euh, mais il faut pas en conclure tout de suite que ça va être la dépression économique. Non, on peut se taper un ralentissement, une récession et de quelle proportion de combien on va parler, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et évidemment, tout ce qui est pays émergents, tout ce qui est dollar, tout ce qui est Chine, j'ai inclus ça dans les pays émergents mais on va dire on va appuyer un petit peu plus. Ça va avoir un impact qui va être très important sur sur la suite. Quand on regarde le DAX, on va retrouver la même idée. Quelque chose de assez neutre, assez mou finalement, avec un support qui est aux alentours des 15 pour arrondir, une résistance qui est aux alentours des 7 et au milieu vous êtes en train de zigzaguer. Tant que vous passez pas l'une des deux bornes, on relance pas un des deux côtés. Donc pour moi, tant qu'on est sous les 16 000, 16 100 points, c'est neutre avec un biais prudent et ce biais prudent sera accentué sous les 15 500. Si on va regarder maintenant, tiens, je le fais dans l'ordre, l'euro dollar. Ça aussi, ça va nous importer. D'une part, regardez, le support de la figure qu'on avait en hypothèse est validé, donc le marché valide qu'il a la même hypothèse que nous. Euh, on a eu un petit rebond de l'euro, mais le dollar reste fort d'une manière générale à court terme, mais on reste encore dans une figure large, globale, de tentative de retournement de l'euro. Et pour l'instant, on ne peut pas décider. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez neutre, mais c'est quelque chose où on va être fixé hein, incessamment sous peu. C'était ce dont je vous avais parlé depuis de nombreux mois, qu'à la sortie de l'été, on allait avoir beaucoup de configurations sur beaucoup d'actifs qui arrivaient à la fin de, à la fin de, de construction. Même chose sur l'or, euh, on, on est en train de zigzaguer dans cette figure-là, on voit qu'on euh, a un rebond de l'or qui est en train de s'effectuer. Là aussi, ça rajoute au narratif récession. Euh, je pars du principe que dans les conditions actuelles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, l'or va monter plus le marché joue euh, la récession au final. Euh, et à ce stade-là, on voit que c'est toujours le débordement de 1990 qui nous permettrait de pousser un petit peu. Euh, ça, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, on revient dans des constructions de congestion. L'argent, c'est encore plus intéressant parce que je pense qu'il y a un potentiel qui est encore plus puissant. Euh, on est là aussi en train de revenir sur des niveaux de résistance, mais on voit on a des belles constructions qui sont en train de se faire, des congestions, ça peut prendre du temps, mais à long terme, le jour où on pète les 26 dollars, là, il peut y avoir, euh, il peut y avoir un bon niveau. L'uranium aussi, dont je vous ai parlé à, à plusieurs reprises, est également une très bonne configuration de, de, de long terme. Et le platine, c'est un petit peu plus tergiversé, mais je pense que si vous avez euh, l'argent la, euh, qui commence à casser, il faudra surveiller le platine en mode de rattrapage. Euh, je vais passer au Nasdaq 100. Et le Nasdaq 100, on va retrouver euh, la même idée, si vous voulez. C'est la construction d'une grosse figure. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de, de dessiner actuellement. Donc, hop, peu importe. Donc là, on a des mouvements. Je ne pense pas qu'il faut parler de reprise de la hausse du Nasdaq. Je pense qu'on a terminé le mouvement on avait initié au début de l'année euh, par contre je pense qu'il faut parler en fait du zigzag à l'intérieur d'une large figure donc je mets je laisse ma médiane ici à 15002 voilà. Et pour l'instant, ben, on va le tracer en triangle ascendant. Euh, ça peut faire un biseau, on verra. Mais ce qui est important, c'est de savoir où on s'arrête. Est-ce qu'on va chercher ici Est-ce qu'on s'arrête plutôt pour pouvoir tracer les obliques, etc. Et c'est ça qui va nous construire une figure, vous voyez, avec un range qui est assez large de 2000 points, entre, en gros entre 14600 et 15006. Euh, 1000-1200 points. Mais vous voyez, vous avez, vous avez ces, ces 1000 points qui sont là. Et ce n'est que l'issue de cette figure qui nous donnera la tendance euh, de moyen terme, donc avec un différentiel de 1000 points. Si on casse les 14006, ben on se dira que d'un point de vue théorique, on va revenir chercher les 13006-13007, qui sont l'ancien point haut que l'on avait en août 2022, et qui servira éventuellement donc, de support à ce niveau-là. Mais voilà un petit peu comment il faut le voir. Mais tant qu'on est au-dessus de la médiane à 15002, ben on reste positif. Alors ça peut tergiverser, etc. Et dès qu'on se mettra à casser les 15 000 revenir chercher le bas, faire le petit rebond, on sera dans le bas de la figure. Et là, ce sera le moment de rester prudent en attendant éventuellement qu'on casse par le bas. Euh, tant qu'on est là dans le haut de la figure, ben on, on se dit qu'au-dessus des 15 000 on peut faire du pullback. Mais au-dessus des 15 000 on continue de privilégier la tentative du marché d'essayer d'aller chercher le top. Euh, mais pour moi, ça bloquera. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on aura euh, ben, l'hypothèse de notre figure. Et après, bah, il faudra, on le voit, ça peut durer quelques semaines avant qu'on ait un, un sens de sortie. Euh, mais euh, pour moi, c'est une figure de distribution qu'on est en train de construire. Euh, et si on sort la tête du guidon, ce que je vous propose toujours de faire, et ce que je vous propose toujours au sein de l'académie, si on sort la tête du guidon, voilà, juste des variations de, de court terme, c'est ça qu'il faut voir actuellement euh, sur les marchés se, se dessiner. Voilà, j'ai fait le tour. On va faire quelques, quelques actions. Touk, 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 touk. Alors, je ne vais pas faire toutes les actions de la liste, mais je vais m'attacher sur celles qui, euh, qui font couler de l'encre. Donc, Adiane, évidemment. Donc, les résultats ont pas été appréciés. Ça fait défoncer. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors, vous avez deux choix. Soit vous êtes euh, un investisseur pur moindre risque et il n'y a pas de signal. Il faut patienter. On attend. Vous pouvez avoir du rebond technique, etc. Mais ce n'est pas ce qui vous intéresse parce que là, l'idée, c'est que ça peut rester encore chaotique plus longtemps que ce que vous le croyez. Et donc, éventuellement. Il faut faire des allers-retours et ce n'est pas ce qui va vous, vous, vous intéresser parce que vous n'êtes pas devant l'écran. À court terme, donc, il y a du rebond technique qui peut se jouer si seulement si on casse cet oblique. En cassant cet oblique-là, c'est ce que j'essaye de jouer à titre personnel, euh, on va essayer d'aller 850-870. C'est euh, ma, ma target, on va dire, d'un éventuel rebond. Après, je ne sais pas. On peut monter plus haut, euh, ça peut bloquer, ça peut tergiverser, ça peut prendre du temps. Euh, je ne suis pas dans des conditions actuellement de pouvoir jouer un swing là-dessus. Donc ce que l'on peut jouer au mieux, c'est du rebond technique ou pas du tout. Après, bien entendu, si vous êtes long terme, que vous voulez prendre une première position parce que vous vous dites, bah, on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants, etc., ça c'est un autre sujet. Et d'un point de vue purement graphique, il n'y a pas de signal à ce stade-là tant qu'au minimum, on n'a pas cassé cet oblique pour jouer une tentative de rebond technique. Et ce n'est que quand on verra où va ce rebond technique, comment les vendeurs réagissent, comment les acheteurs réagissent, que petit à petit, on aura une construction qui deviendra un peu plus intéressante pour un moyen thermiste. Euh, pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, le moyen-termiste, il s'intéresse un petit peu plus aux valeurs chinoises. Parce qu'on a beau faire couler beaucoup d'encre sur les valeurs chinoises, etc. Euh, Elle commence à être dans des constructions qui sont, ma foi, très intéressantes. Notamment Alibaba, on voit qu'on a stoppé l'hémorragie, on fait beaucoup de zigzags, mais petit à petit, on a une congestion qui se forme. Et on voit le dépassement des 100 dollars peut donner. Euh, un bon boost à l'action, en tout cas en faire revenir en mode moyen terme. Apple, pour moi, ça se regarde dans le style également construction d'une figure très large, donc comme sur le Nasdaq. Donc là, on est revenu au-dessus d'une médiane, etc. Ça peut tergiverser tout ce que vous voulez, mais si vous prenez le recul nécessaire, c'est ça que le marché est en train certainement de commencer à construire. Enfin, là pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'impact évidemment, c'est une board, mais d'ici quelques semaines, ça sera clair pour tout le monde. Mais voilà. C'est, je vous le propose, en primeur euh, dans l'anticipation de l'hypothèse de travail. ArcelorMittal également, ça m'intéresse. Je trouve ça très intéressant justement que dans le chemin actuel de la macroéconomie, on a secteur, certains secteurs activités qui sont défoncés, et d'autres secteurs activités qui sont quand même cycliques, mais qui sont quand même en train d'apprécier. Ça veut quand même dire que le marché est en train de jouer. Euh, le, double, le double jeu. Et ça, pour moi, c'est très intéressant, parce que c'est toute la dualité, si vous voulez, entre euh, l'Occident et euh, les briques. Euh, et ça, ça va, être, euh, ça va être intéressant, et ça va nous occuper, je pense, ces prochains mois, ces prochaines années, parce qu'éventuellement, la rotation, elle est là. Euh, donc, ArcelorMittal, on a une bonne congestion, si vous voulez, qui est en train de se faire. On est en train de revenir un petit peu vers le haut. C'est toujours la même chose. Il faut casser les 26 pour vraiment commencer à se dire, ok, c'est haussier. ASM International, bon, c'est un super groupe, etc. Mais je trouve que c'est bien payé. Donc, à ce stade-là, voilà, ça m'intéresse plus trop. Euh, je laisse traîner. Vous avez un premier pivot qui est à 420. Au-dessus, vous pouvez rester positif. Mais voilà, en termes de potentiel, je, je suis assez sceptique. Au niveau de, de Atos. On a du rebond technique. Alors cette semaine, on a fait le, le rebond sur toutes les biotech euh, et on a et tous les dossiers un petit peu mal aimés comme ça. Donc Athos en a profité. On avait sa petite congestion ici. Paf, on fait le break. Euh, au passage, tous les mecs qui m'ont envoyé des emails euh, sur euh, pourquoi j'avais acheté Athos euh, et pour me pour me défoncer gratuitement, merci bien. Euh, la prochaine fois, vous pouvez garder. Euh, à titre personnel, j'ai pris mes profits. Euh, parce que pour moi c'est toujours une tendance qui est baissière, il y a toujours l'épée de Damoclès, augmentation de capital, c'est toujours pas très clair, en tout cas pour moi, euh, donc à partir de ce moment là si vous voulez, je, euh, je fais du prendre ce qu'il y a à prendre. C'est comme sur téléperformance, ça serait exactement la même config, je fais exactement la même chose, c'est du prendre ce qu'il y a à prendre. Alors ça peut continuer de monter, etc. Les probabilités sont qu'il y aura besoin d'une construction intermédiaire, bref, le moyen terme pour moi, je n'ai pas les conditions qui me le font prendre encore. Euh, donc à ce stade-là, je reste sur du court terme, sur du mode rebond, prendre ce qu'il y a à prendre, et euh, ça me convient bien. Le support du coup devient 7 euros, et là on est positif. J'avais euh, les 7,90 en, en objectif, on peut aller plus haut, hein, pourquoi pas. On voit qu'on a cette zone à 8,40€, qui peut, en un, un ancien support ici, qui peut servir à nouveau de résistance. Mais voilà, l'idée c'est qu'à un moment donné, il va falloir plutôt attendre un petit peu plus de construction pour se faire une idée sur la continuation, oui ou non avec toujours la problématique de cette augmentation de capital dont on sait très peu de choses, et voilà, c'est ça l'épée de Damoclès. BIC également, c'est une autre valeur dont on avait discuté bah dans, pour jouer le côté défensif dans l'académie, la, dans et donc on a eu la congestion et la sortie par l'eau de la congestion. On est revenu ici chercher la résistance horizontale, puis paf, on break la résistance horizontale. On vient sur la suivante, là pour l'instant on bute un petit peu, mais en gros on peut faire de la console un petit peu, mais on a bien la phase de retournement qui s'est enclenchée sur BIC. Alors on a des figures un petit peu plus larges hein, qui, peuvent se, qui peuvent être en train de se tracer, c'est euh, une valeur qu'il faut voir en long terme. Karma, c'est toujours baissier, etc. Juste pour vous dire et vous confirmer que euh, je n'ai pas vendu l'action, je l'ai transféré de euh, mon portefeuille euh, dynamique court terme à mon portefeuille bas de laine long terme. Pourquoi Parce que depuis plusieurs semaines, je vous explique que ça reste un dossier euh, auquel je veux participer au projet. Je sais que je perdrai certainement de l'argent là-dessus, mais ça me tient à cœur, sans jeu de mots. Et euh, ce qui est important pour moi, voilà, c'est euh, l'action n'a pas changé hein, dans mon portefeuille, etc. C'est juste dans la consolidation que je fais, puisque j'ai plusieurs courtiers, dans la consolidation que je fais, voilà, je l'ai mise dans euh, le bas de laine pour que ce soit plus clair euh, pour les gens euh, que voilà ce titre là est gelé à moins 30% mais euh, globalement je le conserve euh, parce que je joue euh, je joue long terme je joue le projet là-dessus et s'il y a une augmentation de capital qui ne devrait pas tarder à arriver euh, je participerai voilà euh, et également, voilà, je l'ai fait aussi parce que dans mon portefeuille dynamique, si vous voulez, c'était une position qui commençait à être assez conséquente. Euh, et pour la tendance et pour les, les raisons que je prends à chaque fois des trades dynamiques, ça n'avait aucun sens. Dans mon portefeuille bas de laine, la position est plus mesurée, et donc plus en ligne. Moi, psychologiquement, si vous voulez, je savais que la taille de position, elle, elle m'impacte peu. Mais pour les personnes qui suivent mon portefeuille, voilà, je pense que c'est ma responsabilité aussi de, de faire ce discernement. Pour éviter que des mecs se disent Tiens, Julien, il a acheté Karma, il a un dessus, est à moins 30% dessus, c'est une aubaine, je vais l'avoir bien moins cher que lui, et en plus, il a mis 5% du portefeuille dessus. Euh, donc je vais y aller banco. Voilà, non, donc ça, ne faites pas. En euh, règle générale, quand les actions que j'ai euh, en baisse, vous n'êtes pas en train de faire une bonne affaire, vous êtes en train d'acheter un truc sur lequel je me plante. Donc euh, il vaut mieux éviter. Donc c'est pour ça que je fais le transfert également. Pour euh, éviter ce genre de choses-là et rester euh, le plus transparent possible. Euh, CGG, pour moi, c'est toujours OK. C'est comme Valorex, toujours propre, le pétrole monte, etc. Donc, on a ces parapétrolières qui fonctionnent plutôt bien. Moi, je reste positif. Il faut laisser construire. On va voir si, comme un bon vin, ça devient un petit peu meilleur ou pas. Sarge... Chargeur, pardon, ça, c'est une plus petite euh, moyenne cap. Euh, et on a eu des bons, euh, une bonne poussée cette semaine donc on a eu le break ici les gros volumes qui vont bien donc ça c'est parfait pour pouvoir estampiller que ok le point bas est fait et que maintenant on va certainement matérialiser plus tard une fois que ce boost sera un petit peu terminé il en a peut-être encore peu, un petit peu sous le pied la consolidation sera observée pour les plus moyens long terme clarian on va laisser de côté un petit peu maintenant même si je pars du principe qu'on a certainement touché le point bas euh, mais il faut encore on voit que ça congestionne, et puis que ça finisse par briquer, et là on se dira ok, fin d'hémorragie. Euh, CMCOM, il y a une construction que je trouve intéressante sur, euh, pour jouer un peu plus moyen terme, si vous cassez ici cette zone des 10, 50 il y, a, il y a un bon trend éventuellement à jouer, coupant, ça reste toujours positif, alors on a vendu les résultats euh, en, après les avoir achetés, pour euh, refermer le gap, et là on, on se remet au-dessus, c'est toujours positif. En retournement, les chinoises également. Bah, il faut continuer de regarder. La, la configuration n'est pas la plus propre possible, mais on voit si on arrive à, à revenir au-dessus des 5,70, 5,80 sur Dada, ça peut nous refaire travailler un petit peu le haut de la figure. Et puis, ce qu'on cherche vraiment, c'est le la sortie des 6,90. Ça, ça pourrait donner un ça pourrait donner un signal intéressant. Euh, Dassault, pour l'instant, mis à part du rebond technique, on a cassé quand même la, la dynamique. Je laisserai de côté DBV. Ça se joue dans, dans cette frénésie qu'il y a un petit peu sur toutes les sur toutes les valeurs biotech, on voit un dépassement des 3,10, 3,15, ça pourrait donner quelque chose. Les minières, uranium, ça continue toujours à bien se porter. Alors on commence à arriver sur les zones de résistance là, donc il va falloir peut-être s'attendre un petit peu plus de conso et à voir comment on travaille la zone. Éramé, Morel et Prom et, et compagnie, il y a eu l'histoire du Gabon. Et comme on a joué sur l'académie, on, on a acheté ça parce que voilà, ça paraissait un petit peu surfait et surtout les militaires. Les militaires n'étaient pas là pour, pour casser l'économie juste donc bon c'était un pari à prendre mais j'ai pas eu l'impression que c'était un pari avec beaucoup de risques et bon il a payé alors, ce coup-ci ça a marché il a payé quasiment tout de suite on voit sur les rameaux on a eu un bon rebond il euh, y a un élève je crois de, de, de l'académie justement qui avait pris à à 60 euros et qui a et qui en a profité pour revendre à 70. La tendance est vraiment mauvaise sur les ramsés. Donc pour moi, voilà, on, est, on reste en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Il y avait un coup à faire, il est fait, et maintenant il va falloir à nouveau patienter. Une construction un petit peu plus saine. On a Iso qui participe euh, et, euh, bah, à la hausse globale, on va dire, du pétrole. On est en train de revenir sur une zone de résistance ici avec cette oblique. Donc peut-être un petit peu de conso à entrevoir, mais c'est surtout le break ici qui pourrait relancer un petit peu les festivités. Eurobio scientifique. Vous avez euh, un retournement qui est en train de s'effectuer. Donc pour moi, ben, on va rester positif tant qu'on va tenir les 15 euros. Mais c'est un truc qui prend un petit peu son temps. Euh, GTT, on est dans la continuation du signal haussier. On avait cette petite figure ici qu'on a cassé. pullback on relance. Euh, donc c'est toujours haussier. Pour euh, Harmony Gold, on voit, c'est très nerveux sur les minières. Hein. Donc, or, argent, c'est super compliqué. Euh, platine aussi. Je pense qu'il y a des... D'un point de vue long terme, si on prend vraiment du recul sur des graphiques plus long terme, il y a, il y a des choses intéressantes graphiquement parlant, mais alors il euh, faut pouvoir encaisser la volatilité avec des, des tailles de position adaptées parce que vous voyez, il faut s'accrocher. Donc là, voilà il n'y a pas grand chose de clair. On a réintégré éventuellement le biseau. Alors, je pas trop dire réintégrer. Je crois plutôt du principe que ma figure est pas la bonne. Euh, mais voilà, c'est ça qu'on va, qu va suivre en tout cas. Techniquement, ça, ça suit plutôt bien les choses. Hein. Voilà, je... Moi, comme je vous dis souvent, je préfère dire que ma figure est pourrie euh, plutôt que de parler de réintégration, etc. Ça n'a ça, ça pas de sens. Euh, le marché voit juste quelque chose de différent. Donc, à ce stade-là, voilà, on a ce support oblique ici et on va voir un petit peu comment ça construit un petit peu. Hermès, ça fait le zigzag. Hein, c'est toujours des valeurs qui sont très appréciées, bien entendu. Donc, à chaque baisse, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une opportunité d'achat. Donc, c'est ce qui permet en fait d'avoir ces trucs assez neutres. Wow, mais ça permet, ça permet de créer la congestion, mais il faudra voir quand, comment on en sort. Inat Pharma, alors pas mal de biotech sont en train de revenir sur le devant de la scène, Inat Pharma aussi, un bon petit rebond, on a une congestion qui se met en place ici, bah, je jouerai bien l'accumulation la, sur la conso et euh, derrière le, le retournement. Il faudra peut-être une news ou quelque, quelque chose. JCDECO également, je pense qu'il y a une bonne congestion. Vous voyez, après ce boost ici, vous avez une bonne congestion dans, dans le biseau. Et je pense qu'avec la cassure par le haut, ça peut initier la, la relance. Pour le portefeuille de long terme, ça peut être pas mal. Euh, Calerie également, on est dans de la construction. Figure large. On reste positif à ce stade-là. Lucibel, c'est un tout petit titre il y a des congestions on voit il y a des congestions qui se mettent en place sur pas mal de petites titres qui partent etc je pense qu'elle peut faire partie des candidates euh, là, ça reste très petit hein. lvmh euh, c'est plus dégradé que hermès euh, mais c'est assez neutre aussi globalement hein. je veux dire vous avez une zone ici comprise entre les 740 et les 900 bon voilà on zigzague pas mal mais c'est quelque chose qui à long terme reste assez neutre euh, Moral est propre, même chose que pour Eramé, sauf que la différence avec Eramé, c'est qu'Eramé, la tendance haussière de fond était baissière, là, la tendance haussière de fond est haussière. Donc, c'est ce qui permet de accumuler la position et, euh, si vous voulez, de, de ne vendre qu'une petite partie, ce que j'ai fait, que la partie que j'ai accumulée sur le rebond. Et la position de fond, si vous voulez, que j'avais déjà, euh, je, je la garde, euh, parce que je joue le long terme. Alors que sur Eramé, comme c'est une tendance baissière, si j'avais joué par exemple l'achat sur les 60 euros pour jouer, j'aurais vendu toute la position sur le rebond. J'aurais pas cherché à comprendre parce que la tendance de fond est baissière. Moule Invest, ça se regarde, on a eu un bon rebond ici sur la zone de résistance, on a la conso qui se fait sur le niveau de support, donc il y a la congestion qui se met en place. Pour l'hiver, tout ce qui est matière première, on voit, ça peut redevenir intéressant. Nacon, Saturn JVS, toujours une tendance baissière, on a pas mal de volume ici, ça gigsaque pas mal, pourquoi pas, on le voit, un prix qui euh, intéresse à nouveau et qui pour l'instant fait socle. NeoN également, ça fait socle, mais bon, voilà, ce n'est pas un signal pour autant, euh, il va falloir patienter, revenir au-dessus des 28,50€ et là peut-être on pourra dessiner quelque chose de plus moyen terme. Au niveau de NVIDIA, comme je vous ai dit, les flux continuent de, de venir sur les plus grosses capes, plus grosses capes américaines et on, on continue le mouvement. Moi, ouais, pas, il n'y a, y a, a, a pas de limite en soi. Hein, je veux dire, euh, 500, 520 dollars, 530 dollars qui avaient été des niveaux, qui avaient atteint été atteint en after le jour des résultats. Je pense que le marché peut vouloir aller les chercher en, en, en cash. Euh, mais voilà, les analystes ont, ont remonté leurs objectifs à 600, 650. Moi, je veux bien que Nvidia, si vous voulez, ça soit le, le, prochain, le prochain ce que vous voulez. Mais... Euh, il va vraiment falloir qu'il n'y ait pas de cailloux dans la chaussure. Quoi. Et comme je vous ai dit, il faut quand même penser qu'il euh, y a un gros FOMO de la part des entreprises et de la part de certains pays, très certainement aussi, pour créer du stock. Okay euh, et donc on a certainement une concentration des commandes qui auraient été lissées sur, sur 1, 2 ans, 3 ans, euh, on est, qui se concentrent sur 6 mois, 9 mois. Donc voilà, moi je pars du principe que NVIDIA est certainement super, hein, c'est largement surpayé. Euh, mais après, les résultats sont superbes, mais c'est largement surpayé. Euh, mais ensuite, je pense que pour moi, ce qui pourra un petit peu faire chanceler l'action, c'est le fait qu'on réalise que euh, les prochains résultats seront certainement très bons, mais moins bons, et feront apparaître qu'il y a certainement eu voilà, une concentration des commandes sur un petit laps de temps, et après, on aura certainement un retour à la moyenne. Euh, ça, ça risque de faire mal. Moi, je pense du principe que... Allez, on se retrouve dans un an. Je pense que Nvidia, ça vaut 350$. dollars. Euh, je pense qu'on reviendra visi visiter les 350$ dollars de toute manière euh, d'ici un an. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher euh, 600 ou 700 avant Ça, je ne mettrai pas ma main au feu. Euh, pour l'instant, c'est aussi point barre. Je ne cherche pas à comprendre beaucoup plus. Paypal, ça reste, ça reste coincé. Mais il n'y a pas grand chose à se dire. Je veux dire, tant qu'on ne sera pas dans la capacité de refermer ce gap-là. On va, pas, euh, on va pas reconstruire une tentative de, de s'en sortir, quoi. Donc toujours cet oblique ici. Et ce n'est que sur cassure de cet oblique-là que je veux bien entendre les gens qui vont me dire que ça peut faire une méta. Pour l'instant, on patiente un petit peu, mais euh, voilà, on est sur... on construit éventuellement un socle. Euh, Ray Metal, là aussi, il faut patienter un petit peu, c'est de la construction. Ok, donc euh, on, on patiente. Euh, la sortie de figure éventuellement pour la suite. Ruby également, on est dans une espèce d'entonnoir inversé, toujours euh, deux niveaux de, de résistance ici celle-ci. Bon, je trace à l'arrache, vous avez compris l'idée. Donc avant de redevenir positif, je dirais à moyen long terme ce Ruby, il faudra au minimum revenir au-dessus des 23 euros et graviter dans le haut de la figure. Et ce n'est que quand vous allez casser le haut de l'entonnoir par le haut que là, les choses vont s'accélérer et qu'on pourra réellement parler d'un consensus qui revient sur le titre. Vous voyez, bon, il peut se passer encore un petit peu de temps, même si déjà, on va se rassurer en se disant qu'on a certainement construit le, le point bas. Après, le reste, ça peut prendre un peu plus de temps ou pas, on, on verra. Euh, Saint-Gobain, pour moi aussi, c'est bien valorisé, je pense que, voilà, ça zigzague, c'est en train de construire la, la figure de, de top. Euh, Sanofi, bon, ça reste propre, ça reste haussier. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Sartorius, ça se regarde aussi. Il y a la congestion qui se met en place. Tout, il va falloir franchir les 280, dollars, 280 euros. Euh, C'est peut-être un lapsus, hein, puisqu'on voit énormément de boîtes qui sont de plus en plus attirées par aller sur les US et, et virer leur cotation de, de leur pays euh, domestique mais euh, peut-être pas pour Sartorius encore, mais voilà, c'est ça qu'il faut observer à ce stade-là, pour l'instant on tient les supports, donc au-dessus des 245, 250, on reste positif, et on essaye de jouer le retournement de la tendance sur un dépassement des 280, à contrario, sous les 245, 250, on relancerait la tendance baissière, et on n'aurait fait qu'un rebond, ce qui pour l'instant reste le scénario quand même à, à privilégier. Avoir. tech, même chose, je pense qu'on fait des rebonds, etc., c'est pas mal, mais euh, voilà, on, on commence à patiner un petit peu, donc faut certainement, on rentre dans les, les zigzags qui permettent de construire les figures intermédiaires. Stellantis, comme la plupart du secteur auto, on voit accuse un petit peu plus le coup. Alors on est revenu en, suite aux résultats, au résultat, au pullback sur l'ancienne résistance devenue support. Donc tant qu'on va tenir ça, la tendance de fond reste haussière. Mais voilà, on a, on a commencé à, à taper peut-être un, un plafond. Il va falloir voir la suite. ST Micro, même chose. On voit des, des grosses réactions quand même suite au, au, au résultat. C'est assez vendu. On revient chercher les supports. Donc on a de la réaction. Mais ces réactions, pour l'instant en tout cas, sont timorées pour moi et sont surtout un signal de... Les acheteurs sont là, si vous voulez, mais ils sont en train de s'user. Donc ça, il ne va... il faut pas vendre la mèche trop vite là-dessus, mais c'est des choses qui se regardent. Stoneco, même chose. On a une bonne figure, toujours. Hein. On a une figure qu'on peut élargir, hein, qui peut être très large. Mais voilà, à court terme, on voit, on fatigue un petit peu. Donc là aussi, on est en mode observation pour la suite. Téléperformance, même chose que pour Atos, pour moi... J'ai pris, j'ai joué le rebond technique, j'ai vendu. Oui, ça peut monter toujours plus haut. Éventuellement, vous voyez, vous pouvez venir chercher les 135, 140. Ça peut être éventuellement une cible. Euh, mais avant d'aller chercher ou Soit vous allez chercher et on rebaisse ensuite, soit on baisse maintenant et on va aller chercher là. C'est ça la vraie question. Donc pour moi, j'ai joué le mouvement en rebond technique. Ça reste une tendance baissière de fond. Ce qui m'intéresse éventuellement, c'est si on revient chercher cette zone aux alentours des 120, de reprendre une position pour jouer, comme je vous ai dit, les, les 135, 140. Euh, mais c'est tout, et toujours, et je continuerai pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, à euh, la jouer en euh, court terme, euh, prendre ce qu'il y a à prendre, euh, aller-retour. Tesla également, c'est du rebond au prorata de la baisse, mais ce qui va nous importer maintenant, c'est ça. Hop, alors je vais pas tracer droit évidemment, mais je vais refaire. Voilà, c'est ce niveau-là, aux alentours des 263, 264. Ça pour moi, c'est pivot. Donc là, on a un bon rebond, etc., mais tant qu'il bute ici... On ne peut pas entrevoir une relance complète et là aussi, comme sur beaucoup de valeurs, une figure plus large. Une construction de figure beaucoup plus large. Total énergie, ça continue de performer grâce au pétrole. On est en train de graviter autour des plus hauts. Avant de briquer, peut-être que ça permettra de consolider un petit peu. Le support intermédiaire est là autour des 56. Euh, et on va rester positif au-dessus de ces niveaux-là. Ubisoft fait une très bonne réaction, moi j'aime bien. Il euh, y a une bonne congestion ici aussi. Donc en gros, si vous voulez, vous voyez, on a un bon support sur cette zone des 27 euros qui est bien réactif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est casser cette oblique ici pour euh, relancer la hausse et essayer d'aller chercher un petit peu plus haut vers la zone des 33-34. Vous avez Guillemot éventuellement qui peut euh, faire un rattrapage par rapport à ça. Euh, Unibuy, Rodamco, on continue de construire hein, sur l'immobilier. Donc on voit que c'est quand la presse commence à vous dire que ça va mal, etc on a des rebonds qui commencent à se stressiner sur euh, l'immobilier pas n'importe quel immobilier commercial bon c'est pas fait hein. euh, évidemment c'est un début et on voit que c'est vraiment ce débordement des 54 euros qui vous donnera un signal plus moyen terme à ce stade ça zigzag pas mal mais on va dire qu'on a validé la résistance on valide la zone de support 2, 43 50 et 45 ou 46 pour arrondir euh, et en gros tout ce qui se passe entre c'est lui zigzag et il faut attendre le sens de sortie euh, very matrix ça reste une petite cape, mais même chose, on a des bons retournements qui se mettent en place, des bonnes congestions, et sur un débordement des 73, ça peut donner quelque chose. Et Walix, enfin, même chose, euh, cybersécurité. Euh, c'est des petites valeurs, il n'y a pas, pas grand monde, mais on voit si on arrive à déborder les 10,70, on peut certainement revenir chercher les 11,90 et commencer à construire une figure ici. Et là, ça intéressera les moyens thermistes si on casse par le haut. Voilà ce que je voulais vous dire sur euh, cette vidéo. N'oubliez pas de regarder une autre vidéo que j'ai publiée euh, cette semaine. Je pense que c'est... Je pense qu'elle est intéressante, mais à vous de me dire. N'oubliez pas de me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de, de cette vidéo-là, quel est votre avis sur la macro, qu'est-ce que vous voyez pour la suite, quelles sont les actions que vous privilégiez. Euh, je me ferai un plaisir de, de vous lire, de vous répondre, et ça pourra éventuellement, si vous me proposez des titres, me, me servir aussi à, à la prochaine vidéo. Euh, sinon, quant à moi... Je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres que je publie. Et puis lundi, pour celles et ceux qui le souhaiteront, rejoindre la grande famille de l'Académie des Graphes. Je vous souhaite une nouvelle fois un bon week-end et à lundi, salut